Aujourd'hui, moi, je suis très heureuse et surtout très honorée en tant que présidente de région d'être aux côtés de Monsieur Nguyen et ses équipes. C'est avant tout aussi une reconnaissance de leur travail. C'est également une mise en lumière de la gestion des fonds européens que la région gère. Ce que nous développons, c'est un médicament afin d'éviter la greffe. Et nous le fabriquons à partir de cellules souches. Donc on a obtenu le soutien du FEDER en 2018 et qui nous a permis de créer voilà, les bases pour ensuite monter en puissance. Je pense que c'est essentiel. L'Europe vient sur l'ensemble de nos territoires pour accélérer les projets. Et puis aussi, il y a quelques semaines, on a eu le bonheur, j'ai envie de dire aussi la chance d'avoir la labellisation d'ICIT Next pour faire en sorte d'avoir ici, sur le territoire nantais, un vrai fleuron, une vraie pépite de la santé du futur. Et aujourd'hui, c'est une illustration très concrète de ce qui se joue sur nos territoires et puis l'occasion aussi de porter un message positif d'espoir et d'avenir.